est-ce que tu te rends compte que Bertrand, au bout d'un an, ne sait toujours pas que je ne bois pas de champagne et d'eau gazeuse? Écoute, moi, je suis mariée depuis 17 ans. Hubert est sûrement pas un homme parfait, mais notre couple tient le coup parce que l'un et l'autre, on arrive à fermer les yeux sur nos petites imperfections. Oh non, il n'en est même pas question. À côté de qui tu veux t'asseoir, alors? Peut-être lui. Antoine? C'est le seul qui a l'air sympathique. Si je la connaissais pas, je dirais que ça a l'air d'un coup de foudre. J'ai jamais entendu Amanda parler comme ça d'un homme. Comme il est sensible, comme il est intelligent, il est drôle, il a de l'esprit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tout de suite sympathisé. Parce qu'il est gay. J'ai compris. Le soir du nouvel an, Maxime, mon collègue homosexuel, devait venir. Mais finalement, il a été à Amsterdam et c'est Antoine qui est venu seul. Il ne faut pas qu'elle le sache. Et pourquoi? Laisse Amanda penser qu'Antoine est gay et qu'elle en tombe amoureuse. Elle finira par tout apprendre d'une manière ou d'une autre. Tu n'aimes pas parler de toi? J'ai pas l'habitude. Tu n'as pas d'amis? J'ai un psychanalyste. À moins qu'Antoine ne joue le jeu et ne fasse semblant d'être gay. Pourquoi il ferait ça? Parce qu'il est amoureux. Vous lui avez déjà parlé de vos sentiments? Elle a un rapport compliqué avec les hommes. Juste un conseil, prends-toi un chien. La main à gauche. Beau garçon, il a l'air intéressant. Et il regarde par ici. Je voudrais pas que la situation dégénère. Mais la situation doit dégénérer.